Nous avons tenu une conférence de presse ce matin sur l'avenir du train qui fait Rungis-Perpignan. C'est ce qu'on appelle le train des primeurs puisqu'il permet de fournir en fruits et légumes la région parisienne avec des fruits qui viennent du sud de la France. Or, ce train risque d'être très prochainement supprimé pour la simple et bonne raison que le gouvernement a décidé de sacrifier le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, il a été livré à la concurrence depuis maintenant une dizaine d'années en France, et le résultat de ces logiques de concurrence, c'est que le fret ferroviaire, il a été divisé par 2,5. Et il faut savoir que quand on en finit avec une ligne comme le Rungis-Perpignan, ça veut dire qu'on met 50 camions tous les jours en plus sur nos routes, donc c'est un désastre écologique, et c'est ce à quoi nous nous opposons. Nous nous disons au contraire qu'il faut sortir du tout camion et mettre les marchandises sur les trains plutôt que de les mettre sur des camions. Nous sommes là aux côtés des cheminots parce qu'ils protestent aujourd'hui contre les dégradations du service public des chemins de fer et de leurs conditions de travail depuis la privatisation de la SNCF. Ça y est, c'est en marche. Ils ont privatisé la SNCF et on commence à en ressentir les conséquences. C'est important aujourd'hui que nous nous mobilisions tous, les cheminots, les élus, mais les usagers, car c'est important de conserver un service public des transports, des chemins de fer, et pour les gens, et pour les marchandises. C'est important pour tous les territoires, et c'est important pour le climat. Alors tous ensemble, pour les services publics des chemins de fer.